Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Les nouveautés 2023 et un petit bout de 2024, on continue. Alors, vous le savez, dans les vidéos précédentes qu'on a fait chez Siemens, etc., Bosch, Gaggenau, j'avais envie de me redéplacer cette année pour en fait voir des nouveautés dans les showrooms. Et là, nous avons parcouru 150 km, c'est pas très loin au final. On est à Kurn, en Flandre occidentale. On est chez... le numéro 1 de la haute, c'est une marque que vous connaissez tous qui ont fait des vélos. Oui, ils ont commencé par des vélos, comme quoi il y a tout qui mène à tout. On est chez Novi, évidemment, le numéro 1. Alors Novi, c'est silence, confort, concept, etc., on le connaît. On va parler de quelques petits rappels de produits, on va parler des nouveautés, on parlera aussi d'accessoires. Et quand on parle de Novi, on n'a qu'une seule personne qu'on interroge, c'est Christophe qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe, merci d'être là. Ça va? Très content de te retrouver. Moi franchement, aussi. Ça fait plaisir parce qu'il y a eu des bâtiments, on n'a pas su se voir, c'est il y a vrai, eu Covid et tout, donc très heureux. Alors, le showroom est juste superbe. Voilà, on a tout sous la main. Alors, vous allez me dire, on a déjà parlé de la Panorama, est-ce que c'est vraiment une nouveauté? Est-ce que ça a quelque chose à faire dans cette vidéo? En fait, d'abord, la Panorama étant tellement quand même nouvelle à l'époque où elle est sortie, ça reste quand même en 2023 encore une nouveauté. Ça reste effectivement notre best-seller dans nos hôtes avec aspiration, plan de travail. Donc ici, le concept, c'est que la hôte, on est bien d'accord, est dans la plaque de cuisson. C'est ça, exactement. Okay. En fait, on est sur une plaque de cuisson pour ce modèle, pour ces trois modèles ici, sur le modèle 90 cm. Donc très exactement, ça fait 88 cm sur 52 cm de profondeur, qui est une dimension tout à fait traditionnelle pour une plaque de cuisson. Mais la hotte, effectivement, est intégrée à l'arrière des inducteurs. Quand on la baisse, on ne voit strictement plus rien. Oui, tout à fait. Oui. En fait, alors, quel est l'avantage, en fait? Parce que les autres, alors on connaît les autres marques, pas besoin de les citer, mais vous avez l'aspiration centrale, etc. Qu'est-ce qui rend cette hotte aussi particulière? Donc, c'est déjà trois niveaux d'ouverture ici. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui la rend aussi? Pourquoi est-ce que Novi, qui est le spécialiste de l'aspiration, sort ceci plutôt que de sortir, comme tout le monde, des fois le rond au milieu ou l'aspiration centrale, que vous avez aussi? Hein. Alors, la première chose, c'est que quand on développe un appareil, on veut que ça soit efficace, le plus efficace possible. C'est ça qui fait notre notoriété depuis des années, c'est notre efficacité d'aspiration et aussi, bien évidemment, le silence et le design. Mais donc ici, en plaçant la hotte juste à l'arrière des inducteurs, on arrive à un rendement de près de 97%, étant donné qu'on est à la source de l'aspiration, à la source, je vais dire, du développement de la vapeur. Donc, vous aspirez plus vite, en fait, c'est ce que vous exactement, dites. Voilà, c'est ce que vous aspirez plus vite qu'une autre marque. Exactement. Okay. Parce que il y a effectivement la possibilité d'avoir des hottes situées derrière les tacs de cuisson. Donc, vraiment, on a l'écart et on voilà. A ça. Mais le truc, c'est que au plus on est proche du développement de ce qu'il y a à aspirer, au plus on va être efficace. Et est-ce qu'on peut montrer, parce que ça c'est important, donc on est sur de l'induction ici. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut montrer quand même une ouverture intérieure de cette fameuse hotte Panorama? Oui. Parce que sur celle-ci, on peut le faire. Oui, tout à fait. Donc là, c'est la position la plus haute qui est donc 30 cm. On l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo. On a trois hauteurs d'ouverture, 10, 20, 30 cm. Et la partie, la hauteur 30 cm est la partie la plus haute, mais on va pouvoir aussi à ce moment-là pouvoir entretenir la hotte. Parce qu'elle s'aspire, on aspire avec le verre. Hein. Exactement, Oui. Donc ici à l'intérieur, on a les filtres à graisse. Et donc les filtres à graisse, il y en a deux. Pourquoi? Parce qu'il y a deux moteurs, un par moteur. Je rappelle que les filtres à graisse doivent être entretenus toutes les 20 heures, ce qui fait en moyenne une fois par mois, au lave-vaisselle. D'accord? L'appareil donne un signal de toute façon. Et alors à ce moment-là, nous avons ici de part et d'autre des deux grilles de sécurité, deux cuves de récupération. En cas d'une éventuelle catastrophe, les liquides vont être redirigés vers ces deux cuves de récupération. Même si ça tombe ici au milieu, ça retombe dans les grilles de récupération. En fait, ça ne peut pas tomber là. Pourquoi? Parce que quand on cuisine, logiquement, on a le verre devant. Oui, donc, évidemment. Pour cuisiner, Donc, du coup, à ce moment-là, il y a un joint en fait en silicone ici qui va rediriger les liquides vers les deux cuves de récupération. Et tout ça est bien isolé du système électronique et électrique. Le modèle ici existe en recyclage. Oui, en fait. Avec des filtres à charbon actifs se régénèrent chez vous. Non. On doit les changer. Exactement. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la Panorama est la même que ça soit en évacuation ou recyclage. C'est la même référence. La seule chose, c'est que si vous travaillez en recyclage, il faut ajouter un box recyclage qui vient se placer dans la plainte. Est-ce qu'on va le voir ici? Voilà. Exactement. On a ici le socle. Je sais pas si Benoît peut bien le voir. On a le socle et on met une grille. Donc, on est d'accord qu'on a quand même un peu d'air
qui va nous souffler sur les pieds. Mais est-ce qu'on sait le changer d'endroit? Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir qu'il y a un coude, si je peux me permettre, hop, et ce coude est amovible. Vous pouvez le placer dans l'autre sens pour évacuer vers le caisson encastrable de l'autre côté de l'îlot. Et de ce fait, on n'a pas d'air qui va à ce moment-là souffler vers les pieds du client. Mais on peut aussi envisager de diriger l'air, via donc des autre buses, part, voilà, autre part ça. Dans l'îlot. On a bien d'accord que si on a un vide ventilé ou des caves, on peut partir dans la cave. Tout à fait. Voilà, jusqu'à combien de mètres le tuyau en gardant le moteur en interne. On ne sait pas dissocier le moteur. On ne sait pas dissocier le moteur. Donc on garde le moteur qui est en bas de ce socle, il est là-bas. Il est ici, pardon. Mm-hmm. On peut partir dans la cave et avoir un tuyau. Combien de mètres plus ou moins on peut avoir? Ce n'est pas une donnée officielle, mais pour faciliter en fait la conception, on parle de 5 mètres, voilà, coûte compris. Vrai, exactement. Alors, une belle nouveauté. On va passer ici à droite. Alors, oui, c'est une nouveauté parce que nous étions en 2020-21 quand c'est sorti. C'est ça. Voilà. Oui. Il y a eu les ruptures de stock. Alors, c'est pas dû à nos vies, c'est dû au problème de verre et c'est dû au problème de tout. Voilà. Donc, il était déjà sorti en 2020-2021, mais difficile de l'avoir parce que voilà, les conséquences qu'on connaît. La panorama qui est, alors, faut prévoir un grand meuble, C'est sûr. C'est 1m20. Hein. Ça, c'est 1m20, oui, oui. Très exactement, ça fait 1m18 sur 52 cm de profondeur, donc la même profondeur que les, 90 cm. Alors, ici, tu as la commande de la taque de cuisson, mais si nous voulons faire sortir à ce moment-là... Ah, est-ce qu'elle est branchée ce matin? Oui, ah, elle est branchée, et là, à ce moment-là, on fait sortir la hotte. On est tôt le matin, on est arrivé tout au matin. Donc c'est on ça, est allé... exactement. Il est 9h quand on commence à tourner. Hein, c'est... Donc là, à ce moment-là, ici, on est donc sur la hauteur la plus haute de nouveau. On y arrive tout doucement. Combien de zones de cuisson ici? Alors, ici, on a 5 zones de cuisson. Toujours induction, les panoramas. Il n'y a pas induction. De panorama vitrocéramique. Non, il n'y a pas de panorama. Ça n'existera pas, ce n'est pas prévu dans le tube. Non, ce n'est pas prévu dans le système. D'accord. Magnifique. Eh bien, on a vu les panoramas. Maintenant, ce qui serait sympa, on va vous refaire rapidement un petit tour des nouveautés. Des petites choses qu'on a tendance à oublier et puis on ira voir les nouveautés, c'est parti. Rapide incursion parce qu'on parle effectivement des groupes aspirants dans les plafonds, on parle des hottes avec dans les plaques de cuisson, les hottes plans de travail, mais on oublie que des fois il y a encore des hottes qu'on appelle hottes décoratives murales. Il y a également des hottes décoratives îlot, c'est de plus en plus rare. C'est vrai. Ça existe encore chez tous les fournisseurs, dont chez Novi. Flatline noir. Oui, tout à fait. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Rappelle-moi les largeurs qu'on sait avoir dans cette hotte décorative en noir et en inox. 90 cm et 120 cm. 120. Oui. En îlot, on fait 110, je pense. Je pense qu'elle existe encore. 120 cm. Oui, en îlot. Ouais. Ça, c'est une 120. Très grand modèle. Ouais. La salsa. Alors, moi, j'aime dire que la salsa, c'est une Novi, mais c'est une Novi... Mais allégé. Voilà, exactement. Il fallait aussi essayer d'élargir le plan d'action. Et là, à ce moment-là, avec la salsa, pour le consommateur qui a besoin uniquement d'une hotte, donc dans le marché de remplacement, la salsa se prête très très bien. Au niveau de ses performances, mise en sonore, on s'en sort très très bien. Vision, que l'on appelait également head fluid dans les autres marques, voilà, donc incliné. Oui. Alors là, 3 dimensions. 75, 90. 90, beaucoup de Français nous regardent, c'est important. C'est vrai. Et 1m20, on a les trois couleurs. Blanc, alors c'est un vert blanc, hein, donc c'est-à-dire vert VE2. C'est ça, oui, oui. C'est-à-dire que c'est légèrement verdâtre, c'est pas complètement blanc, ouais, mais non, franchement, non. Elle est bien réussie. Ma petite préférence a toujours été sur 1m20. C'est ce qu'on vend le plus. Parce hein. qu'elle est juste superbe. Elle est disponible également en recyclage ou en évacuation. Tout à fait. Et c'est le numéro maintenant correspond au recyclage ou à l'évacuation. Exactement. Je tiens juste ensuite à reparler du recyclage. Bien faire attention quand vous êtes sur une hotte à recyclage de toujours avoir un système de ventilation. Ouais. Les deux sont parfaitement compatibles. VMC, ventilation mécanique contrôlée, car en fait, la hotte va filtrer avec ses filtres à graisse. Les graisses. Mm-hmm. Le filtrage à actif va filtrer les odeurs, mais l'humidité dégagée par votre cuisson et l'humidité de cuisson restera dans la pièce. Donc, soit on ventile la pièce, soit elle se ventile naturellement. Parfois, on ne sait pas faire autrement, donc il faut être discipliné quand c'est on ça. A une hotte. Exactement. Alors, on va passer sur une référence de Rolls-Royce. Hein, oui. La Phantom. Et on va aller voir ça. C'est une très belle nouveauté qui vient remplacer un modèle qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est apprécié. Ça. C'est parti. Alors, hotte. Décoratif suspendu, des îlots, on en parlait justement juste avant, donc ça existe encore. Et alors vous sortez dans un marché qui n'est plus numéro 1, c'est-à-dire la hotte qui descend de l'îlot, vous ressortez 3 nouveaux modèles. Oui,
tout à fait. Bon, c'est comme si un fabricant se disait, j'ai des nouvelles voitures thermiques en ce moment, on est bien d'accord. Ouais, oui, c'est vrai que voilà. C'est un peu, j'ai des nouveaux moteurs thermiques à montrer. Bon, on va commencer par celle-ci, parce que pendant des années, vous avez mené le monde de la cuisine équipée, soyons bien clairs, parce que Novi représente combien de parts de marché en Belgique ? 32%. 32%, une hotte sur trois. Ouais. Est une hotte Novi en Belgique. Ouais. En France, c'est impressionnant. En Allemagne, ça devient impressionnant aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors que l'Allemagne, vraiment, quand c'est pas allemand, ils ont du mal. C'est hein, sûr, c'est d'accord. Sûr. Ouais. Donc, vous aviez à l'époque sorti la Zen, qui est disponible dans des vidéos, on en parle beaucoup, ouais. Qui était une hotte blanche avec un type de petite coriandre, etc., matière synthétique autour. Et vous ressortez ceci. Ouais. Explique-nous un petit peu. Alors, donc, c'est vrai que c'est un super bel objet, mais non seulement d'être un bel objet décoratif, c'est surtout une hotte. Il faut que ça soit efficace, comme je le disais en début de vidéo. Et donc ici, on a la nouvelle référence qui est donc la Phantom. Alors la Phantom, elle est déclinée en deux versions. En version câble, comme on voit sur le modèle juste ici, et en version cadre, comme on voit juste ici. Ici, donc, alors, on va montrer un petit truc que... Comment s'appelle-t-il le monsieur ? Olivier. Olivier. Directeur notre... marketing ? Oui, tout à fait. Voilà. Qui nous a montré, parce que, mais ça c'est vrai, c'est un tout petit détail, mais regardez, parce que quand on avait des câbles, bon, vous savez, comme vous connaissez la chaîne, je suis un enfant, hein, donc voilà, on s'est bougé, c'est du verre hein, ceci. Oui, 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 tout à fait, okay. C'est du verre. À l'intérieur, c'est une hotte, c'est un mini Pure Line, donc c'est un très très bon moteur. Hein, c'est pas une mini Pure Line exactement, c'est une hotte qu'on a développée pour la Pure Line Frame. Oui, parce oui, que tout, dans les Zen, c'était des Pure Line. Hein, okay, oui, oui, c'est ça, dans les Zen, c'était effectivement des mini Pure Line. Quand vous avez le cadre comme ça, effectivement, l'inquiétude pourrait être. Que c'est raide. La rigidité, oui. Et en fait, regardez. Pas du tout. On est sur un bras articulé qui fait que là, à ce moment-là... Je vais jouer deux heures, moi. Ouais, parce que vrai. Ça pèse quand même. Hein. Parce que effectivement. C'est du vrai verre. Hein. Si je dis pas de bêtises, on est à presque 50 kilos. Voilà. Il faut savoir aussi qu'on est chez Novi. Pourquoi ? Car on a quand même la possibilité de vous montrer aujourd'hui des installations. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent « Novi, c'est pas fabriqué en Belgique ». Ah, si. Novi est un fabricant belge. Oui, oui, tout à fait. Qui fabrique d'une part, qui assemble ici, etc. Les mm-hmm. moteurs sont faits ici. Les moteurs sont achetés, mais surtout ça est assemblé. Tout est assemblé ici. Donc c'est une marque et un fabricant belge. Tout à fait. Voilà, on en est d'ailleurs. C'est important de mais on en est très, très fiers, hein, je veux dire. Ça, c'est, combien c'est de largeur? Une seule largeur ici. On est sur oui. une seule référence. Oui, oui, hein, sur voilà. une seule référence. Donc on avait encore des possibilités. Oui, 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 tout à fait. Et alors vous sortez. La Pure Line Frame. Presque un plafond aménageable. Explique-nous un peu. Parce que là, c'est une. C'est vraiment une Pure Line qu'on a mis dedans ici. Hein, donc oui, là, c'est une Pure Line noire, en fait, qu'on a mis dedans. Rappelle-moi le RAL des hottes. 9005 pour le noir, 9003 pour le blanc. OK. Et il n'y a pas une nouvelle couleur bientôt qui va sortir ? Le Mineral Black. Le Mineral Black, il est beau. Hein. On est sur le même RAL, mais c'est juste le laquage qui est laquage plus structuré. Alors, des fois, d'ailleurs, on chipote, mais c'est beau. Hein. On le voit ici sur le modèle. Hein, et les cadres sont aussi en Mineral Black. Alors, on a deux avantages avec le Mineral Black. Le premier, c'est que on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus facile à entretenir. Donc, les traces de doigts seront beaucoup moins visibles. Et la deuxième chose... C'était les retours que vous aviez ? Oui. Un petit peu ? Ok. Oui, bah oui. Sur, moi, j'ai jamais eu le cas, personnellement. Voilà. Mais c'est vrai que sur les hautes plafonniers, on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on a toujours une télécommande. Mais sur tout ce qui est flatline, comme on l'avait plutôt dans la vidéo, ça peut ça avoir... voilà. Puis, il faut changer. Voilà. Et alors, la deuxième chose, bah, en fait, en faisant un laquage plus structuré, en fait, on améliore aussi la qualité de finition et donc ça donne une petite note supplémentaire au design. Évacuation, recyclage ? Non, uniquement recyclage. On ne sait pas du tout la mettre en évac. Non, en fait, vu la tendance, comment dire, et l'évolution du marché, on va de plus en plus aller vers du recyclage. Pourquoi ? Parce que les bâtiments sont de plus en plus conçus pour essayer de garder la chaleur et d'essayer d'être le plus écologique possible. Et donc, le modèle qu'on sort, la plupart du temps, sont en recyclage pour la Alors, imaginons, Christophe, je veux l'installer en showroom. Oui. Tu me fournis tout comme ça. Non. Il faut savoir que... Vous n'achetez pas la hotte. Je ne fournis pas les plantes. La hotte, à partir du premier numéro, €1 le premier numéro, le moteur, la liste du moteur est offerte. Non. Il faut savoir que, comment dire, on ne fournit pas les planches. Alors, je m'explique. Pourquoi est-ce qu'on ne fournit pas les planches ? Pourquoi ? Parce qu'on veut absolument que la hotte soit mariée avec le design de la cuisine. Mais donc, commander deux planches. Voilà, exactement. 3-4 pour fermer le moteur. Non, parce que le cache autour du moteur, lui, il est fourni.
Mais on peut le couvrir si on a envie encore. Si tu veux le couvrir, absolument, voilà. Tu peux. Les cadres sont toujours noirs. Voilà. Maintenant, quand on dit qu'on peut recouvrir, il faut que nous, on puisse quand même accéder au niveau du service technique et tout ce qui s'ensuit. Ça ne tombe pas en panne, ça c'est sûr. Donc maintenant, là, à ce moment-là, ce qu'on fournit, hein, ici, on est sur la version 3 cadres, donc on a deux niches. On fournit la hotte. Cadre, c'est ça, hein? Oui. Voilà. C'est vraiment, voilà, ça. C'est vraiment l'arceau complet, quoi. Voilà. Et donc, on fournit à ce moment-là la hotte, on fournit le cache moteur qui va donc cacher le moteur, mais qui va aussi cacher le box recyclage qui souffle vers le haut. Donc on le verra pas sur la vidéo, mais en fait tout en haut là, vous avez une petite grille pour que l'air vicié puisse revenir dans la pièce. Ensuite, on fournit quoi? On fournit les spots. Alors ici, on est sur la version 3/4 et donc du coup à ce moment-là, il y a un set de 3 spots. Et on fournit le géranium. Non. Donc voilà, mais c'est assez important d'avoir une continuité au niveau du design. Celle-ci s'appelle Frame. Pure Line Frame, Pure Line Frame. Exactement. Dimension, en fait, on peut acheter les cadres qu'on veut. On peut limite faire un plan de travail de 5 mètres. On pourrait continuer encore ici si on avait envie. Disons qu'en fait, nous, on va jusqu'à maximum 4 cadres. Ben, oui, mais si je peux en acheter en plus et continuer si on a envie. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Pourquoi? Parce que bon, bah déjà, ça fait un petit peu, effet gare, hein, d'avoir quelque chose d'assez grand, je veux dire, dans un îlot. C'est presque une hotte à la carte. C'est ça. Les cadres sont toujours noirs pour le moment. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, pas de souci. Ouais. Alors, j'ai envie de vous montrer un truc un peu insolite. Il est juste ici à droite. Mm-hmm. Alors vous allez me dire, c'est complètement aberrant de parler chez Novi de gaz. Oui. Mais vous avez sorti ça. Oui, tout à fait. Bon, ça n'a pas le succès qu'on s'attendait parce que c'est déjà un marché de niche à la base. Disons qu'on ne s'attendait pas spécialement à un succès colossal. Pourquoi? Bah parce que Novi est donc le spécialiste en hotte, en taquin induction, mais le gaz, bah, ça reste quelque chose qui est en niveau part de marché, ça reste beaucoup plus faible que l'induction. Alors ici, le gros avantage qu'on a, bah, c'est le design, il n'y a rien à faire, c'est super beau. On a l'impression que les brûleurs sont posés à même le plan de travail. Alors on fait ça que dans de la céramique. Hein. Oui, tout à fait, on dès précise, que c'est céramique. Parce que là, c'est du stratifié qui a une tête, donc c'est du bois. Oui. C'est juste de la démo ici, il n'a pas raccordé. Donc, il y a ces brûleurs-ci, on a le tiroir technique en dessous, il n'y a pas besoin de montrer ça, mais on a les robinets d'arrivée de gaz, etc. On vient mettre 4 brûleurs à disposition. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 8 modèles, 8 configurations, et les configurations sont types. Donc, ça veut dire qu'il faut bien s'imaginer qu'en dessous du plan de travail, il y a plus ou moins 9 cm de châssis où il y a toute la tuyauterie de gaz et tout ce qui s'ensuit. Donc, les 8 configurations sont fixes, on ne peut pas les modifier, mais elles ont été pensées pour essayer de répondre à toute la demande du marché. Ça, vous avez fait ceci. Maintenant, une petite question subsidiaire. Oui. Les plaques induction sous le plan de travail, tu en penses quoi, toi? Ben, j'en pense quoi? J'en pense que ça peut ça être... Ça va arriver. Ça arrivera. Quand vous êtes des fabricants d'induction... Il est bien fort possible qu'un jour ça arrive, mais disons que c'est quelque chose que moi, je n'ai que très peu d'expérience, déjà, la première chose. Donc, je pense que c'est effectivement quelque chose dans l'avenir qui pourrait vraiment se voir beaucoup plus fréquemment. Maintenant, ben oui, c'est difficile d'avoir un avis sur quelque chose qu'on n'a pas encore. Le dernier chapitre qu'on va faire, deux petits rappels. D'abord, un petit rappel sur des lampes. On va terminer par ça, vous verrez. Et on va faire un petit rappel sur des hottes télescopiques. On en a parlé beaucoup, mais ça faisait partie d'une grosse vidéo Batibo, etc. Mmh. Je voudrais juste faire un mini chapitre avant de clôturer cette vidéo qui est déjà hyper complète. On continue. Alors, il existe toujours la hotte casquette. Incroyable. Hyper moderne. Nouveau bouton, nouveau design. c'est vrai qu'ils ont gardé le néon. Ça veut dire que on est quand même sur le côté. Ça veut dire que vous avez une friterie, vous faites des croustillons. Mais le pire, c'est qu'elle est excellente, hein. Et tant qu'on est dans le détail, je sais pas si on peut avoir un accessoire ici. Oui. Par en dessous, voilà, vous avez ceci, j'aime toujours bien le montrer. Quand vous aviez des hottes comme ceci, ok, vous aviez des fois deux moteurs qui sortaient par au-dessus. Exactement. C'était des hottes à un mètre, elles faisaient deux moteurs. Et vous aviez, c'est juste pour le nom que je fais. Alors, ça. Tu dis vous aviez, mais on est dans le temps. Voilà, vous êtes toujours. Hein. Encore, c'est que ça se vend toujours, sinon on ne produirait pas. Ah oui, ça c'est sûr. Ce qu'on appelle un raccord culotte. Oui. C'est génial quand même, ado-culotte, ça se porte comme ça. Oui, c'est vrai. Donc, on met les deux sorties dans un seul moteur. Et donc, comme on voit très bien, comme on a deux sorties ici, c'est 150 mm, donc 15 cm de sortie. C'est ça. On l'augmente en 200. C'est ça, exactement. Voilà, donc en fait, les sections sont toujours arrangées. Voilà, petit détail. Ouais. Maintenant, revenons sur ce qui nous intéresse ici, avant de faire le point sur la lumière et un petit tour des usines. Les hottes
qu'on appelle télescopiques, oui. Haute tiroir, mm-hmm. haute intégrable, elles ont plus ou moins eu tous les noms. Mm-hmm. Alors, on va pas se le cacher, aussi bien 60-90 cm, c'est tout doucement en voie de disparition. Disons que... À cause de vous. Hein, oui, c'est... Oui, oui. En fait, voilà, donc nous, on va parler, je vais parler ici en tant que cuisiniste. Avant, on mettait ceci. Hop, quand la haute était fermée, vous aviez le meuble et ceci. OK. Et donc, si on avance un peu par là, vous aviez la haute, etc. Et vous aviez la différence avec le meuble. Sauf que nos vies, il y a combien d'années? 6-7 ans maintenant? Oui, oui, pas plus que ça, en fait. Au niveau de la fusion, c'est même un tout petit peu plus. C'est vrai? Oui, oui, déjà, oui, tout à fait. Vous avez dit, voilà, avoir cette différence-là, cette différence de niveau, le bazar-là, pourquoi ne pas innover? Et oui. Effectivement, la fusion que vous avez sortie, et tu vas nous expliquer ça, oui. reste quand même... C'est ça. Explique-nous un peu ce système. Si alors, on a deux à expliquer ici. Oui, en fait, il y en a deux à expliquer. Donc, il y a, je ne sais plus exactement combien de temps, mais je pense que ça doit dater de plus de 7 ans. Même. Oui, c'est enfin, plus ou moins le chiffre que j'ai en tête. En fait, on a sorti la fusion qui, donc là, à ce moment-là, répond au design pour avoir quelque chose de particulièrement invisible quand la hotte est fermée. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi ? C'est parce que le design, voilà, le design a évolué et donc du coup, ben, le client souhaitait, comment dire, à un moment donné, ne plus avoir cet aspect de bandeau donc, visible. Vous prenez même le risque d'enlever le nom de votre marque visiblement oui, dedans, oui, ce qui oui, est quand même. Fait. Allez, mais c'est pas mal, il faut hein. savoir que on le supprime pas vraiment. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir utiliser la hotte, on est obligé d'ouvrir et là, à ce moment-là, on voit le logo. Ça, c'est déjà un modèle que nous, on a toujours vendu. C'est en plus sensitive ici, hein, donc c'est ça, super bien exactement. Fait. Mais vous êtes passé à la vitesse au-dessus avec le modèle juste à côté, qui est le Fusion Pro. C'est là, c'est un 120. Non, pas spécialement. On peut l'avoir aussi en 60 cm. Mais celui-ci, c'est un grand. Hein. Celui-ci, c'est un grand, c'est oui. 60, 90, 120. C'est hein. ça, exactement. Ben, en fait... L'innovation, elle est aussi pour nous en tant que cuisiniste ici. Exactement. Hein. En fait, on a 4 avantages avec la Fusion Pro. Le premier avantage, c'est comme bon. Sur la Fusion, quand la hotte est fermée, elle est invisible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va allez, optimaliser quoi. Le rangement dans l'armoire. Pourquoi ? Par rapport à la fusion qu'on voyait juste à côté, la fusion, elle, il faut défoncer le corps de meuble pour pouvoir l'intégrer dans le meuble. Ici, la hotte remplace le corps de meuble inférieur. Il n'y a pas de planche inférieure. Elle est vraiment remplacée par la hotte. Et on sait l'ouvrir. Tout à fait. Vous avez créé une gorge. Oui, 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 oui. Donc, là. Je vais parler du deuxième avantage, donc le rangement. Et Benoît, ici, ouais. Hop, on passe. Enfin, haute, c'est plus facile ici. Quand la haute est fermée, on ils a vraiment créé un biseau. Gorge. Ouais, exactement. Parce que nous, en tant que cuisinistes, on ne savait pas mettre de push-pull quand on avait ça. Oui. On ne savait pas mettre de push-pull. Et donc, la porte était, on devait la prendre par en dessous, on devait la prendre par le c'est champ. Ça. Allez, c'est un détail. Mais c'est un détail hyper important c'est pour génial, les portes lift ouais. aussi. Parce tout que à ça fait. Vous permet à ce moment-là d'avoir des portes lift oui. dans la cuisine. Propre. Hein. Ouais, tout à fait. Bien fini. Excuse-moi, je t'ai coupé dans le deuxième. Pas de souci. Donc, on était au deuxième argument où on a donc plus de rangement de part et d'autre du moteur qu'on n'a pas avec la fusion parce que c'est pas fini à l'intérieur. Donc, souvent, les cuisinistes prévoient un meuble hot avec juste les rangements à épices. Là, à ce moment-là, on a plus de rangement. Troisième argument, le biseau, comme tu l'as très bien cité. Et quatrième argument, étant donné que la hot remplace le corps de meuble inférieur, ben en fait, on va protéger le meuble contre les vapeurs. Donc, si jamais le client a oublié d'allumer sa hotte au dernier moment, les vapeurs ne vont jamais aller en contact direct avec le bas du meuble, ça va être en contact avec la hotte. Le pire, c'est que on pourrait croire que c'est plus une nouveauté, mais jusqu'à présent, et là, je peux le dire en toute indépendance, c'est quand même les seuls qui ont vraiment innové dans les hottes télescopiques depuis quelques années. Ouais. Et comme l'avantage de la hotte télescopique, c'est quoi ? C'est le design. Le fait que quand les meubles sont fermés, ceux qui veulent des meubles hauts sans avoir le... Ben voilà. C'est ça. On a des meubles hauts, c'est design. Exactement. Dernier petit détail, et puis on file dans l'usine. Il y a eu un rachat qui n'a pas fait grand bruit, mais pour nous, oui. Parce mm-hmm. que vous avez une vidéo de votre serviteur ici, sur des lampes qui s'appellent Janssen & De Bond, fabrication hollandaise, absolument superbe. Et dernièrement, elles sont passées... Oui. Elles sont passées Novi. Novi a racheté cette société hollandaise, donc c'est passé ouais. sous pavillon belge. Mm-hmm. Et vous avez racheté, c'est la même chose, les mêmes produits. Exactement. Sauf qu'ils sont maintenant floqués Novi. On en a ici, vous les connaissez, vous avez le wall là-bas. On va juste aller voir les petits, il n'y a pas de changement, mais juste pour vous montrer. Oui, j'ai envie plaisir. De vous montrer la shelf premium de plus de 2 mètres. Hein. Alors un petit endroit, je ne sais pas si Benoît va bien voir, on va allumer les lampes ici. Voilà, donc ces fameuses lampes-ci, on peut les remanipuler. Donc ça, c'est la toute grande shelf, hein, celle-ci. Oui, c'est ça. Hop là, je pense on va la mettre. Que, ben, écoute, en comptant, ça doit être des armoires de 60. Donc là, on est sur la
Ouais, mon avis, la 3 mètres. Oui, la 2,70 mètres, à mon avis. Ouais. C'est pas mal du tout. Donc là, la shelf, j'aime toujours bien montrer, c'est que la shelf premium, voilà, on sait manipuler, en fait, ceci. Bon, je l'ai déjà montré en vidéo, mais j'aime bien le remontrer. On sait vraiment prendre tout ce qu'on a envie de prendre. On sait augmenter si on a envie. Clac. Mm-hmm. On sait passer les couleurs au-dessus. Ouais. Voilà, on sait faire absolument ce qu'on veut. Et vous avez juste à votre gauche, effectivement, la wall. Voilà, au magasin, on a la pendant, etc. Donc voilà, il y a plein de possibilités qu'on peut avoir. Ça, c'est les nouveautés. Et maintenant, on va faire un tour dans l'usine. C'est parti. Alors, fait exceptionnel, nous sommes avec Olivier, directeur marketing de Novi. Merci de nous ouvrir les portes de ceci. Hein. Avec plaisir. On est toujours évidemment avec Christophe. On va visiter. Alors, c'est surtout en fait pour vous montrer, c'est pour prouver. OK, on ne va pas faire une immense séquence. C'est pour prouver un point, c'est qu'on a quand même beaucoup de gens qui disent « Ouais, Novi, c'est pas fait en Belgique. » Ben si. C'est fait en Belgique, le stockage est fait en Belgique. Alors croyez-moi bien, parce que je vais quand même le dire, c'est plus vraiment un secret. On dit parfois des autres grandes marques, on peut parler de certaines marques comme Miele, BSH, etc. Mais tout n'est même pas des fois stocké en Belgique. Voilà, c'est-à-dire que d'ici, par exemple, nous, on est livré. Alors c'est pas grave, hein, c'est juste des fois pour, voilà, pour mettre un cachet dessus. Ici, les stocks sont faits, sont payés en Belgique avec des employés belges. Donc de temps en temps, il faut quand même le prouver. Donc on va maintenant voir. Donc on est livré assez vite. Quand même. Il n'y a plus tellement de rupture de stock chez vous. On a fini ce moment-là. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça a été compliqué pour tout le monde. Mais voilà. Donc on n'est plus vraiment dans. Ça, c'est chouette. Alors on est sur un moment particulier de l'usine. Donc là, on est sur un temps de midi. On est à la pause parce qu'on ne peut pas, pour des questions de sécurité, se balader avec une caméra. Voilà, parce que là, il y a un chemin, là, il y a des clairs qui passent, donc on est venu vraiment dans un moment de pause. Donc là, c'est une Pure Line, 90 cm, si je vois bien, en blanc. Ouais. C'est bien juste, hein? C'est bien ça. Ouais. Le moteur est bien reçu ici. Et donc, c'est bien assemblé. C'est bien assemblé ici. Dans une usine, je suis un enfant, moi. Donc, et c'est vrai, hein? Donc, on a vraiment l'assemblage complet de la shelf. Hein. Donc, d'abord, c'est de l'aluminium. Hein. C'est de l'aluminium, la shelf. Oui, tout à fait, avec une peinture anodisée. On voit tout de suite la qualité de fabrication de ce genre de produit. Donc, ce sont des produits. Alors, je le dis souvent en vidéo, c'est pas cher, c'est beaucoup d'argent. C'est très important. C'est un produit qualitatif, fabriqué en Belgique, qui est contrôlé. Et l'avantage, c'est que s'il y a un souci, ben, les pièces sont ici. Que si vous achetez ce genre d'éclairage qui ressemble sur Amazon, c'est peut-être un peu différent. Hein. La découpe des tôles. Donc, tôle inox ici. Hein. Tôle inox est ici. Et on a aussi de l'autre côté, on a là la découpe et le laser en deux. Ici, c'est plutôt le dégoût. Il y a du bruit alors qu'on est sur un moment de pause. Hein. C'est incroyable. Hein. Important de préciser aussi que c'est emballé ici, avec un contrôle qualité. C'est pour ça que vous voyez des frigolites, etc. un peu partout. C'est emballé ici. Donc voilà, ça c'est une partie des moteurs. Il n'y a pas qu'un seul moteur chez Novi. Non. Voilà. On peut voir là-bas dans le fond le déco de la Phantom, c'est ça. qui est préparée en partie ici. Alors ça, je veux quand même montrer ceci parce que ça, on ne s'en rend pas encore compte. On peut voir là-bas les serre-joints. Donc là, c'est la mise en collage du verre, si je comprends bien de loin. Alors ça, c'est le tout nouveau noir. C'est en exclusivité ça quand même, hein. Ça c'est cool ouais, ça. Ouais. On va l'entendre au micro. Il est légèrement granuleux. En fait, c'est comme une laque poudrée, mais bien poudrée. Quoi. Et donc là, on est sur la moud. Oui, sur l'une donc, des... Donc la moud, c'est la hotte qui est... Voilà, une des portes de la moud qui redescend. Tout à fait. On rentre ici dans le département du laquage. Donc, il y a vraiment donc, un système qui va servir à laquer, donc à peindre les tôles. Alors effectivement, on a des tôles inox qui sont naturelles. C'est du 18-10 chez Novi. On a le laquage blanc et le laquage noir, mais c'est laqué sur place, ok? C'est ça qui est important. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo que, à titre personnel, je considère extraordinaire d'avoir pu visiter cette fameuse usine, en tout cas la filmer. Merci Christophe. C'était un plaisir. On a vraiment parcouru aussi bien les nouveautés que des mises à jour. Alors on le sait, on est dans une vidéo nouveauté, mais que Defitech et Novi sont partenaires depuis de très nombreuses années et que ça nous fait un véritable plaisir de pouvoir continuer à distribuer ce produit, mais au moins on vous a informé. Oui. On a vraiment donné toutes les petites nouveautés. Il faut savoir que Christophe nous visite. Quand on a des fois des questions,
plus pointu, on se retourne vers lui. Donc encore merci de tout ton suivi. Oui, oui, oui. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest. Voilà, Instagram quand même pas mal actif au niveau story, etc. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.